Voilà, je vais vous montrer un nœud très simple, parce qu'il n'y a pas que le FG dans la vie. Donc vous faites un nœud avec votre nylon, donc c'est du fluorocarbone 30-35 centièmes, voilà pour la démo c'est du 50. Prenez votre tresse en 10-12 centièmes, vous passez, tac, dans le nœud, vous serrez le nœud, pas la peine de le serrer à fond au début. Donc là on va faire un nœud de cuillère maintenant. Vous bloquez pour regarder la boucle avec vos doigts et vous faites 13 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc on repasse dans la première boucle. Voilà. Et là il y a une boucle qui s'est reformée. On repasse l'extrémité de la tresse dans cette boucle, voilà, ça fait un nœud de cuillère, voilà, et on serre en tirant sur cette partie là. Au début je savais pas trop, je galérais, et donc ça fait des nœuds ratés. Faut toujours faire ça comme ça, enfin pour ce nœud en tout cas, vous tirez comme ça, tac, voilà. Donc ça c'est un nœud, au début je faisais le nœud lisse, c'est le même nœud sauf qu'on repasse pas on passe que dans la boucle au début et pas dans la deuxième. Et en fait, le nœud de cuillère, ça permet à ce que les deux fils soient dans le même sens. Et quand on lance, ils gênent pas dans le... Même la tresse, elle gêne pas. On coupe les extrémités. Tac. Un peu dur à couper. Voilà. Terminé. Vous avez un nœud solide. Très simple à faire, 2 minutes maxi.